Oxyde face 1, c'est MaT1 ROX. Il me semble que c'est comme ça. Non. ROX, Ox. Voilà, comme ça. Ok, et ensuite, du coup, de la map Plane. Ok. Est-ce qu'on est bon pour le setup l'attaque-défense, je sais pas. Et Matarox qui commence en attaque. Matarox qui commence en attaque. Ouais. Là, c'est bon. Non, les... Moi, je suis attaque. Ouais, bon, ouais. Voilà, ouais, bon. Ouais, à droite, droite, droite. C'est bon. Faut juste leur demander de changer de side. C'est bon, c'est bon. Nickel. Bon match à vous. R. Et Oxide, il a pas envie de nous parler, quoi. Putain, la vache. On l'emmerde, le mec. Il fait quoi? R. Ok. Bon match. Bisous, poulet, à tout à l'heure. Merci, Axe Dinks, pour les 2 euros. Lâche-nous ton meilleur cast, un V1, 6. Ouais, ouais, ok, d'accord. Ouais. Bah, lâche-nous un sub, toi, Riyad, déjà, là. Ça va arriver, les cams. Après, la plupart du temps, les mecs, on va pas se mentir. Hein. Quand il n'y a pas de cam, ça vient des joueurs. Ça vient pas de nous. En règle générale. Le problème vient de chez eux. Nous, la prod, elle est tip-top. Je suis en Algérie, je peux pas. Mais c'est quoi le rapport? Genre, il n'y a pas 3,99€ en Algérie? Comment ça se passe? Merci Rico, merci mon poulet, pour le fait d'être un nouvel étudiant au campus, t'es un monstre. Rico F1, putain ça me rappelle un pseudo. Pourquoi ça me rappelle un pseudo Rico? Pourquoi ça me rappelle un pseudo Rico? Tu faisais pas de l'airsoft à Bordeaux il y a une quinzaine d'années quand même. Et là, bam! C'est le pote à Prime. Ah ok, ok. Il y a vraiment quelqu'un qui s'appelait Rico F1? Pour le F1, le FRF1, pour ceux qui connaissent. Bacasta, notre Cox. Merci Bacasta d'avoir offert à notre Cox ses droits de scolarité. Autant pour moi du coup. Rico si Freddy. Oh mais arrête. Rico fit Lorenzo. Qui a gagné Len versus Liké? Liké. Liké, il a commencé tranquille. Il se faisait dominer. Et après, il a activé le mode Poker Face. Six Invitational BDS Style. Et derrière, une tourelle. Tu devrais jouer avec nous dans un terrain dans le Calvados. Dans le Calvados. Je suis allé en Picardie. Non, je suis allé en Normandie, là, à Percy, là. Ah, vous avez pas vu la vidéo? Déjà, vendredi soir, c'est quand? On est quel jour? Je sais plus quel jour on est. Vendredi prochain, samedi, je suis à médecine. On n'est pas loin de Percy. Bah, vous avez déjà fait l'usine? L'usine de Percy, c'est incroyable, hein. Bon courage à médecine. Ouais, c'est pour faire une vidéo YouTube, hein, je m'en bats les couilles. Oh là 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 là. Un zéro. Terrain en forêt. Non, c'est de la merde les terrains en forêt là. À chaque fois, tu te fais défoncer par une fougère. Trop relou. Trop relou les terrains en forêt là. À chaque fois t'avances un mètre, bah c'est celui qui bouge le moins. Je suis sûr, il y a des mecs, ils font de l'airsoft dans des ghillies, ils sont décédés. On les a toujours pas retrouvés sur les terrains tellement ils ont pas bougé. T'sais. Bah il est où? Bah il a dû rentrer. Ça fait 2 ans que le mec il est en train de... C'est une racine. Ah sérieux, je déteste ça. Un bon vieux bâtiment là, voilà. Ça, c'est drôle. Faut du CQB.
Alors ça, forêt, c'est le pire truc. Mais oui, c'est le pire truc. Ça, c'est pour les mecs qui se masturbent sur Novreach. Ah, trop fort! Nana. Le faux mec blot. Oh, c'est quoi déjà? Forme, objet, je sais plus, mec. C'est vraiment l'armée pour ça, c'est vraiment... Oh nom de Dieu, il est trop fort. Ah, mais il met des Pokéballs depuis tout à l'heure là. Trop fort, Oxide. Fond, ombre, mouvement, éclat, couleur, bruit, lumière, odeur, trace. Eh, le mec qui a inventé ça, il devait être trop content. Les gars, j'ai inventé l'acronyme le plus grand de toute l'armée. Déjà qu'ils nous cassent les couilles avec leur acronyme. Oh là là, ils arrêtent pas, ils arrêtent pas. C'est pas le plus grand. C'est quoi le plus grand? Dans l'armée, ça doit être quoi le plus grand? Le PP garde do... Le PP garde cocom. PP garde cocom. What the fuck? Eh mec, on n'apprend pas ça à Saint-Cyr. Ça, c'est un truc de... C'est un truc de... C'est un truc de Saint-Mexan, ça. C'est un truc de sergent, ça. Qu'est-ce que... Ouais, le patraque DR aussi, c'est vrai, mais bon. Je l'ai appris pendant mes classes il y a 5 mois. J'ai jamais entendu parler de ça, les mecs. Oh, le petit C4 préplacé. Oh, dommage. Dommage d'être sur le shotgun, là. Derrière, on va pouvoir s'en remettre en plus, tranquillement, petite ligne. Attention, parce que là, ça traverse la valise. Oh non, mais hey, tous ces trucs-là, je te jure, qu'est-ce que c'est relou, quoi. Oh! What? Il a pas tiré? Oh! Oh! Oh, c'est sexy. Sexy. Et la personne qui gagnera du coup entre Oxide et Matarox ira affronter Liquefac en finale BO3, ladies and gentlemen. Pam, 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 pam. Pam. Au revoir, terminé. Rideau. Ancien Milouf, moi je suis au RHN, moi. Officier de réserve de haut niveau. Axe dingue pour les 3 mois. Pour les 3 euros, merci poulet. Bon, ça fait 2 ans que j'ai pas foutu un pied dans mon régiment, mais voilà quoi. En vrai, je crois que j'ai reçu une lettre il y a pas longtemps, un tableau de promotion. Donc en vrai, je pense que en foutant rien, c'est comme ça que ça se passe. Je crois que je suis au tableau d'avancement pour être capitaine. Lol. J'ai retrouvé des vieux dossiers là, genre ma médaille de je sais pas quoi là. Non, je suis un salaud, ouais. C'était cool. J'aimais bien l'armée. Ouais, bon, la Defnat, oui, c'est le truc qui te donne dès que t'arrives. La Defnat de bronze. Oh, il est parfait. Oh, il est parfait. Oh, il est parfait. Et ça fait deux partout. Le C4. Pouh. Pip, pouf. Amazing.
biohazard container. Très beau match, oui. Len a quand même mis 4 rounds à liker. Quel monstre. Ouais, il menait au début surtout, c'est surtout ça quoi. Et pas de flip. Moi je vois vite le comportement des joueurs. Tu vois vite sur Rainbow Six. Tu vois vite si les joueurs sont bons, sont pas bons. Tu vois vite si les joueurs sont stressés, pas stressés, si les mouvements sont sus, les mécaniques sont bonnes, les placements sont bons. C'est tellement dans le détail, Rainbow Six, que c'est le seul jeu au monde, le seul FPS au monde, où tu peux définir un joueur comme étant bon, pas bon, en seulement quelques secondes. En seulement quelques secondes. Premier degré. Rocket League. Ouais, c'est clair que les mécaniques de Rocket League, ouais, ouais, tu vois vite, tu vois rapidement, quoi. Mais sur un Valo, un CS, oh, c'est dur. Les mécaniques sont tellement simples. Les mécaniques de déplacement, etc. Alors ça se joue dans pas grand-chose, mais ça nécessite plus de temps pour te dire, ok, ce mec... Mais c'est le combat des grenades! Oh putain! 3-2, Matarox prend l'avantage. Aux échecs, ça se voit vite aussi. Ouais, bah et surtout si le mec commence à bouger la dame en premier. Bah par-dessus! Attackers locate the biohazard container. 3-2, ladies and gentlemen. Entre Matarox et Oxide, nous rappelons que nous sommes dans la deuxième demi-finale des Salty Duels. Il est 22h, nom de Dieu, on est à la bourre. Et le gagnant de ce match ira directement rejoindre l'IKEFAC en finale. Le gagnant de la grande finale repart avec un PC à 1200 boules. Tout simplement. Et si leur PC vaut déjà plus? Ah oui, bah oui, si leur PC vaut déjà plus, eh bien dans ce cas-là, on leur donne 16 000 euros. Hein. Oh là là! Oh là 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 là! Easy! Petit one tap! Zbra! 4-2 pour Matarox! Face à Oxide. Attackers locate the biohazard container. Ça joue très bien. Ouais, 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 ouais. Ça annonce une belle grande finale. Attackers
Likefax, je te demande, vu que t'es dans le chat, si la finale devait être en BO1, t'en penses quoi? Honnêtement, genre 100% transparent. Tu préfères ou tu préfères pas? BO1, c'est très bien. Ok, je demanderai sans influer... Je veux pas influencer le choix de l'autre. Donc je lui demanderai en mode... voilà quoi. Ok, ok, bah c'est l'autre qui décidera. C'est l'autre qui décidera du coup. S'il veut faire un BO1, du coup on fait BO1. S'il préfère faire le BO3, on part sur le BO3. C'est lui qui décide, on fait comme ça. Oh, 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 oh! Il est déjà parti, Loulou! Matarox, il est en train de mettre une pression énorme dans ce match. On a totalement inversé la tendance. Le petit C4, le petit C4, ça va être dur. Ouh. Et on vient le jouer, bien évidemment. Et ça, c'est pas une tête, ça ah. Les amis, je veux pas tomber dans le troll, ok? La décale, elle est magnifique, etc. Mais à quel moment? Partant du principe qu'il est au niveau du front, qu'on ne peut pas avoir un autre élément du corps au-dessus du front, qu'il le touche à cet endroit-là et qu'il le tue, donc que ça résisteur, comment ça se fait que c'est pas une tête en haut à droite? Vous avez 2 heures. Comment c'est possible? Il était à 1 HP1. Et alors, qu'il soit un HP? La dispersion des balles, tu penses? C'est la seule... C'est la force de Coriolis, je pense. Ouais, ça prend des petites informations. Matarox qui va peut-être aller chercher 4 balles de match. Ce serait énorme. Petit pré-shot au niveau de la tête qui connectera sur rien du tout. D'ailleurs, on va profiter forcément du sound cue de la grenade pour pouvoir pusher. Et maintenant, on a 2 entrées forcément à jouer. Ce couloir à droite et puis le C4 qui vient d'être envoyé. Valkyrie, forcément, elle a cassé le drone. Et elle va se raviser. Dommage d'avoir balancé ce pré-shot. Dommage, c'est un... Ah, j'aurais bien dit, on appelle ça une Panix, mais je pense pas qu'ils aient la ref. Personne ici là, la ref, de toute façon, vous êtes trop jeune. Et à moi, je suis un dinosaure de Rainbow Six. Il a pas envie de rigoler, Oxyd, je crois. Mais si, il a lâché une blague, tranquille. La ref de la Panenka, du coup. Eh, vas-y, Sergent Danton, le dinosaur, vous arrêtez avec vos blagues de merde. Merci Flores, merci poulet, t'es un monstre. Nouvel étudiant du campus. Oh là là! Il y a une plage chez Vega ou pas?
Parce que là, ça vient de se libérer ce soir, Oxyde. Hein. Ok. Oh! 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 Et ma Tarox, il s'en bat les couilles, hein! Il est en mode chasse aux Pokémon. 6-2. Ouais, enfin là, voilà, il y a un shield quand même avec des vitres. Première balle de match de sauver. Ah, si vous allez arrêter avec vos blagues sur Manuel New York. Vous êtes trop relou. Et n'oubliez pas les amis de faire pour l'information YT. C'est là qu'il y aura le récap de la journée, je pense. Qui sera envoyé. Aidez-nous à passer à 150 000 abonnés. Ce serait extrêmement sympathique. Et si vous voulez le replay de... Bah le replay, hein, pour l'exclamation YT replay. T'en penses quoi de ton chat? Vous êtes un peu comme un enfant que j'ai envie d'abandonner. Hein. Je venais voir le replay pour voir qui avait gagné, mais c'est pas fini. Hein. Ou de noyer. Elle est bonne. Elle est très très bonne. Allez. Allez, Oxyde. Ne perds pas contre Maclaclox. Allez, Oxyde. Ah, Oxyde, ne perds pas. Je te jure, son pseudo dirait pas contre Matarox. Allez. Oui. Deux balles de match de sauver. Tu vas pas perdre, on dirait un médicament, Matarox. En ce moment, promo spéciale sur le Matarox. Non, vous trouvez pas? On dirait vraiment un truc, c'est pour la gastro-entérite. Petit flop. Ok. Ouais, ça passe. Tu vois? Putain, la vache, les mecs, t'aurais pas un Matarox? Ah, je deviens fou! T'as quoi? Bah, moi, c'est ça! Un café, deux Matarox. Bon alors là, après toute la journée, je suis bien, hein, je suis bien. Flop. Vas-y, vous dites pas ça parce que c'est... Non. Amnésique Gamma, tu dis ça parce que Matarox, c'est ton pote. Médicament, c'est cool. Ça va très bien, Demior, et vous? Non, c'est pas vrai. Si, si. Je vous vois, là. Il y a Fusion qui est là. Il y a Abdesic, là. Je vous vois. On peut pas faire des blagues sur votre poulain, là. Sponsorisé par Flop Up. Salty Duel by Flop Up. Allez. Allez, Oxyde. J'ai envie de faire des blagues de merde. Je suis trop fatigué. Quand je suis comme ça, c'est horrible. Je trouve que Oxyde, il est un peu rouillé aujourd'hui. Non, c'est marrant. Oxydé.
Oui, bah oui, c'est la blague. Vous niquez toutes mes blagues. Oh non, non, non! It cheat! It cheat! T'imagines le spectateur au Six Invitational qui part en couille comme ça? Cheat! Disqualifié! GG en tout cas, les amis, à Oxydé! N'hésitez pas à lui envoyer plein de GG, plein de cœur. Il a participé, il a été cool, il a été pro du début à la fin. Il était très très bon, mais en face, bah, il est tombé sur plus chaud que lui sur ce duel. Merci beaucoup Oxydé, merci Poulet et bon courage pour la suite. Bien joué. Merde, oh putain, je l'ai coupé comme un gros fils de pute. Merci Helsing pour les 15 mois de frais scolarité. Vous êtes des monstres, vraiment. Alright, ladies and gentlemen. Je termine ça et c'est l'heure de la grande finale. De la grande finale.